Et bonjour France, écoutez, on arrive en fin d'année, je voulais vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour Noël, passez des bonnes fêtes de Noël, passez-les avec des gens qui vous sont chers, de la famille, parce que vous ne savez jamais quand le jour ils vont partir. Alors avant que je vous passe sur les vœux, les gens me demandent comment tu passes Noël, je voudrais dire un petit message important. C'est que je reçois des messages de gens qui me disent, Jean, pourquoi tu ne me vois pas faire en fait de vidéo par rapport à Fred Sinistra? Alors, la raison pour laquelle je ne fais pas de vidéo sur Fred Sinistra, c'est parce que, un, je n'ai pas besoin d'en faire, je ne vais pas surfer sur la vague, il y en a assez qui font des vidéos sur lui alors qu'ils ne le connaissaient pratiquement même pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Fred, moi, j'ai interviewé deux fois sur YouTube, et depuis que j'ai interviewé, en fait, on s'était sur WhatsApp, on se voyait tous les 2, 3 jours, on s'envoyait des vidéos, on se faisait des lives, on s'envoyait des photos des chiens, etc. On avait une passion commune pour les chiens, et c'est une personne qui était devenue un ami. Il devait venir ici, ça s'est pas fait, mais enfin. Mais le plus important pour moi, c'est que lui, il savait ce que je pensais de lui, et je sais ce que je pense de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le plus important. La relation qu'on avait était très très forte. C'était vraiment vraiment devenu un ami. Et après j'ai dû rendre compte à personne. Les seules personnes à qui je dois rendre compte que je supporte 100%, c'est sa femme Cécile et Julia, sa guerrière comme il l'appelait. Et moi je sais que quand il m'appelait à chaque fois qu'il me disait hey, salut bon Jean, bon, ça me manque tous les jours. Mais encore une fois je vous dis le plus important c'est que d'être toujours en relation avec sa femme et Julia parce que il y a que ça qui m'intéresse. Après le reste, ce que j'en pense de moi, je m'en fous complètement. C'est ma relation entre lui et moi qui m'intéresse le plus. Voilà. Maintenant, pour parler par rapport à Noël, on me demande déjà Noël. Donc Noël, c'est ça. Moi, j'ai toujours au minimum 2 sapins de Noël. J'ai lancé pour la famille. Il est là. Donc les cadeaux, ils vont arriver, bien sûr. Après, là, j'ai le. Un, c'est pour mon fils. Alors lui, il se le décore. Il fait ce qu'il aime de son sapin de Noël. Là, on a Monsieur Léjean. Monsieur Léjean. Ça va, bébé? Tu dis bonjour à la France? Dis bonjour à France. Non, il ne veut pas vous dire bonjour. Et puis après, mais comme d'habitude, je paye toujours respect. On a toujours avec nous le jour de Noël. Les chiens que j'ai perdus. On avait une passion encore une fois avec Fred. Les chiens. Donc là, on a Monsieur Muay Thai. Là, on a Madame Siam. Là, on a Madame Cario. Là, on a Monsieur Cario. Là, on a Monsieur Buddy. Là, on a Monsieur Léjean. Et là, on a Jordan. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tous les Noëls, on met leurs chaussettes. Alors, on met des cadeaux le matin. Et puis voilà, ils sont toujours dans nos cœurs. Et ça, je vous demande de faire. C'est que cette année, écoutez, important pour Noël, passez-le en famille, passez-le avec des gens qui vous sont chers. Surtout, n'oubliez personne. Et puis, je voulais encore une fois vous remercier du support que j'ai sur YouTube. Ça me fait énormément plaisir parce que bon, la chaîne elle marche de mieux en mieux, ça avance de plus en plus. Pourquoi? Parce que je suis sincère avec les gens, je dis ce que je pense, que ce soit sur la défense, sur la réussite, etc. Je ne me cache pas, je ne me mets pas les doigts dans le cul. Et je suis là en fait pourquoi? Je suis là pour remuer la merde. Parce que quand je remue la merde, il y a des odeurs qui sortent. Et les gens, ça les capture, les odeurs. Alors, tous les gens qui me détestent, qui ne m'aiment pas sur YouTube, continuez à vous faire du mal. Regardez-moi, ça me fait plaisir. Joyeux Noël déjà. Et puis après, à tous ceux qui me supportent, ben, encore une fois, je vous remercie sincèrement, vraiment sincèrement, du fond du cœur, de tous les messages que je reçois de votre part à chaque fois sur Instagram et sur YouTube. Donc, l'année 2022 ça va carburer grave, parce que je vais venir en France. Donc, soyez à l'écoute. Encore une fois, passez des bonnes fêtes de Noël. Je vous embrasse à tous. Ciao.